Ok. Bon. On va tenter de capturer ça. On va tenter de capturer ça. Putain, c'est qui? Non. Ok. Bon. Nous allons donc tenter de capturer. Petit problème de driver sur Ubuntu avec Nvidia. Parce qu'Nvidia, ils font chier. Parce qu'ils veulent. Parce qu'ils mettent pas les. Enfin, bon, mais voilà, les drivers sont fournis séparément, etc. Donc c'est un peu chiant. Donc, ce qu'on va faire. Bon, ok. Allez, Jean. Ok. Now to find out what effect that had. Alright, sir. Hop là. On va sauvegarder. Et on va essayer de. Grenade fumigène. Ouais, bah vas-y. Je suis un petit peu perdu, j'avoue, sur qui. Qui fait quoi. Lire. Non, 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 non. Ok. On va ramasser ça. Allez. Ok. Côte de maille. Ok. Putain, il y a des trucs sympas. Ok. Ok, bon vas-y, on va tout prendre, on va pas se faire chier. Là-dedans. Faut que je regarde, putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et franchement, raté, merde. Fait extrêmement longtemps que je n'ai pas joué et faudrait que je check mes petits inventaires. Alors Ursuline, toi tu as ça. Ok. Attends, on va essayer de fournir à Jean ce que je viens juste de ramasser, c'est-à-dire ça. De mémoire, Jean, il peut identifier tout ça. Ah non, il peut plus identifier, fait chier. Ok, bon, bah il peut pas identifier alors. Pourquoi est-ce que c'est. Séparer l'argent là. Tu m'envoies ça à Ursuline s'il te plaît. Voilà. Je me sens safe. Toi t'as quoi là? T'as un truc comme ça. Nécessite 6 de force. Mais Madora, elle en a 9. Là, tac, tac. Ouais, elle avait un peu. Ouais, non, en fait, on peut. Hein. Ok. Par contre, ça s'abîme un peu. Ouais, ok, donc ça c'est bon, ça c'était quoi ça? Code de maille. Oh là là, mais j'ai tellement de choses à identifier les gars. Peut-être un bâton. Ok, donc toi t'as ça. Ok, ouais, toi t'as un truc de ouf là. Toi tu vas frapper au corps à corps, ouais, c'est ça. Et toi aussi d'ailleurs. Ah non, toi c'est un bâton. C'est quoi ça? Baston. Ok. Ah bah si, toi aussi t'as de la force.
Ok. Coup handicapant. Nécessite arme de corps à corps. Ouais, mais c'est ça en fait. Allez, impossible. Ah oui. Ok. C'était ça le truc. Et donc toi, t'as une armure, machin et tout, et là. Et toi, t'as un paquet de bordel et tout. Ok, c'est pas grave. Et ça, c'est quoi ça? Oh, et ça, c'est ce que je viens de ramasser. Ok. Et ça me paraît très très bien. Donc on va re-sauvegarder. Y a pas un journal aussi là? Non, raté. Ah si, c'était là. Pouf. Alors journal. Nyx sans tête. Ténèbres et tout. Ok, bon, on va. On va retourner, merde, on va retourner par là. On va retourner là. Pardon, hop là. Ah oui, il y avait ça. Clic. Ah, clic. D'où le clic là? Comment ça clic? Norrie. Mais pourquoi clic? Attends. Toi là. Hop là. Oh. Toi, tu vas te mettre ici. Mais il se passe rien. Comment j'étais descendu, moi, l'autre fois? J'avais réussi à descendre par là. Mais putain, c'était comment? Non mais si hein. Écoute, qu'est-ce que tu veux? On va faire ça. Jean, je crois que tu peux. Toi. Pouf. Ok. Ah putain, faut. Et toi, t'avais quoi là? Bon, bah, on va attendre, hein. Ça va être long. Ah, y a pas un truc de feu là? Non.
pas grave. Toi, tu vas aller aussi ici. Boum. Voilà, comme ça tu soignes lui. Mon Jaran. Toi tu vas bien. Non, tu peux pas encore. Ah, lui aussi il peut super bien soigner, je crois. Bref. Ok, Jaran. Ah, superbe. Ok. Et toi, bah. Ouais, ça, avatar du poison. Hop là. Et hop là. Ok. Non. C'est pas toi là qui avait... Tiens, aide. Non. C'est que toi du coup. Moi, je croyais qu'il y avait un truc qui allait super vite, mais je sais plus ce que c'était. Pour soigner. Ah, mais si, mais c'était lui, hein, en fait. Ouais, c'était ça. Hein. Toi là, pouf. Pouf. Là, et toi. Voilà. Hop là. Bon, on va tous se rattacher là. Et puis on va descendre. Pas de vue. Non, raté. Merde. Careful, I've spotted a trap. Non, raté. You have spotted the trap. Ah là, exact. Non. Ça c'est Jean. C'est Jean qui... Toi, est-ce que ça tu peux le désamorcer? Non. Est-ce que toi ça tu peux le désamorcer? Ah, yes. Hop là, tatala. Ouais, il y a plein de cartes, il y a plein de cajots ici. Qu'est-ce qu'il y aurait comme truc intéressant? Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Ah. Chemin d'éboulement, je prends. Hop là. Wow. Alors attends. On va se remettre là. Et toi Jean, est-ce que si tu nous fais ça là... Raté, ça ne change rien. Est-ce que toi tu as des trucs qui permettent des flèches de feu? Ça peut être bien. Des petites flèches de feu là. Oh. Ah, j'en ai qu'une. Tête. Ah, mais c'est des têtes. J'ai une tête.
flèche de feu. Comment on fait pour... Ah voilà, fabriquer. Recette. Flèche. Flèche de feu. Vas-y. Des objets. Je peux rien faire. Et combinaison potentielle. Ok. Et toi, t'as rien. Ah, mais toi aussi, t'as... Non, flèche de nuages de vapeur. Grenade de tempête ardente. Flèche explosive. Tu vas l'envoyer à Ursuline. Ursuline. Ursuline, merci. Toi, t'as rien. Parchemin de traînée de flamme. Ah! J'en ai deux. Bah vas-y hein. Oui? Non, je veux pas discuter. Ah d'accord. Ah ok. What? Oh! Et ils sont où les méchants? Ah bah non, mais ils ont déjà tout tué. Ok. Super. Bon bah Jaran, maintenant tu peux faire pleuvoir. Parce que là maintenant... tout est bon. Sodden, all the way to my boot soles. Ça, hop là, puits de feu. Trop bien. Ah. Bah vas-y, ça je pourrais peut-être fabriquer des choses avec. Guide pratique de l'aventurier. Ah. Ça, je pense que c'est des points de compétence. Là-dedans, j'avais rien. Putain, comment c'était... Ah! Raté. Putain, il y avait une touche pour... Putain, c'était où? Option. Commande. CTRL-G. Peut-être CTRL-G, hein. CTRL-G. CTRL-G, X, tête X. Raté. Et... Oh, putain. X. Ah, c'était ça, c'était X. Hop là. C'était X. On continue d'avancer.
Paf. S'il te plaît. Ok, superbe. Hop là. Ok, superbe. Ah, Ursuline. Césure. Ah, d'accord. Paf. Ok. Ok, c'est pas grave, t'inquiète. What? Merci, c'est pas désactivé ça? Tout à l'heure, elle savait les désamorcer. Mais que se passe-t-il? Ok. Alors attendez les gars, on va retourner là-bas. Toi là, toi, tu sais pas désamorcer ça, toi. Ok, on se parle. Tac. Et toi là. Attends. Ça, tu vas me le mettre là. Ok. Et donc là, maintenant, on va retourner tout cela. Et tu vas me. Et... Non, c'est pas celui-là. C'est ça, tu vas me le coller. Ah. Ok. Ok, des flèches de feu, ça c'est cool. Ok. Et ça c'est cool aussi. Et ça, hop là. Hop là, trop facile. Alors là, par contre, ça commence à devenir un petit peu. Et voilà. Quel malin. Oh, faux rubis. Ok. Bon, je vais peut-être tenter de. Alors toi là, t'as gagné un niveau. Ah, je suis un peu rouillé, hein. Ça fait longtemps. Longtemps, longtemps. Donc, là, ce serait un peu dommage. Mettre des armures. As-tu une armure sur toi? Tu as une armure. Donc là, tu vas mettre des armures. Non, mettre des boucliers. Non, t'as une musculation. Ah, ça peut être bien ça. Bon, compétences. Redin, géomancien, sorcellerie, tireur d'élite, on s'en moque. Personnalité. Commandement, ça peut être bien. Porte-bonheur. Adresse. Méfait. En crochetage. Ah. Ah mais est-ce que j'ai d'autres personnes fortes en crochetage? Aïe. Oh tiens, pourquoi est-ce que ça a brûlé là? Ah ok. Peut-être.
Je mettrais bien. À mettre du savoir. Faut bien un point de commandement quand même. Ça peut être cool. Et je mettrais bien également. Ah, musculation, c'était 2 points. Non, mais alors. Ouais, quoi que. Ouais, commandement. Crochetage. Allez, crochetage. Ok. Et là. Réduit le coût de points d'action des sorts de. Sort de 1 lorsque vous trouvez. Sur une surface. Ouais. Attaque sournoise. Non. Brute épaisse. Handicap ou lenteur. Ça peut être cool. Canon de verre. Non, c'est pas cool. Courageux. Ok. Ok. Lève-toi. Mon précieux. Que vous touchez votre cible ou que vous suivez. Ok. On s'en fout, mulet. Ok, pas de loup, non. Peau dure. La chaîne d'armes ou pas? En puanteur. Non, super compétent. Talent naturel. Ça peut être bien ça pour ma sorcière, pour Ursuline. Zombie, c'est quoi? Ah non. Bon, après ça c'est trop. Brute épaisse. Ouais, ou courageux. Après, brute épaisse, le renversement et tout ça, j'en fais régulièrement. Allez, brute épaisse. Let's go. Et maintenant, Jahan. Alors, Jahan. Baguette. Augmente les dégâts infligés de plus 20. Sinon, non, géomancien, sorcellerie, pyro. Ça peut être bien, ça aussi. Hein. J'ai pas trop de pyro. Hein. Allez, pyro. Peut-être faire. Porte-bonheur. Où ça? Allez, porte-bonheur.
Tac. Et puis là, on va faire. Empressement. Magicien. Ça, c'est bien ça. Paf. Benzo. Allez, on tourne avec lui. Voilà. Oh, un calice. C'est pas mal ça. Conseil culinaire. Alors. Oui. Je crois que Ursuline a un livre de compétences. Ouais, ça c'est bien ça, lire. Nanani, nanana. Bon, ça je pense que ça. Ouais, voilà, soupe à la citrouille, trop bien. Et ça, guide pratique de l'aventurier. Là, je vais lire. Tac. Et hop là, maintenant je vais fabriquer des boucliers, trop bien. Et comme ça là, dans la fabrication, est-ce que j'ai des choses que je peux. Non, je peux rien fabriquer quand même. Branche et je peux faire un bâton élémentaire. D'accord, ok. Très bien. Ok, bon, on va essayer de. T'as une plume. Ok. Et ça là. Là, y a rien. Ok. Contrôle 5. F5, pardon. Ok, ça on va prendre. Ça, qu'est-ce que c'est? Parchemin de téléportation. Et. Ouh. Lui, je peux lui parler. Alors, attends. Écoute, chef, tiens-toi là. Est-ce que tu peux l'envoyer là? Et ça là, est-ce que tu peux l'envoyer là? Et ça là, est-ce que tu peux l'envoyer là? Tac. Et. Est-ce qu'on peut faire un saut? Ah, il n'y a pas de saut. Comment on fait? Oh tiens, je suis pas allé là en plus. Ok. Attends. Attends, déjà. Jaran, tu vas me téléporter lui et tu vas l'envoyer là. Poum, aïe. C'est pas grave. Hein? Comment ça? Non mais. Ah oui, non mais. Ah, trop bien, trop bien, trop bien. Anneau de cuivre et de l'argent. Tu l'envoies, Ursuline. Tu l'envoies à Jaran. Et ça aussi, tu vas l'envoyer à Jaran. Donc ça. Hop, 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 hop. Donc ça, tu vas le. Celui-là, tu vas l'envoyer là. Ouf, merde. Voilà, parce qu'il faut pas déconner. Ça, tu vas me dire. Non, y a rien. Ok. Bon. Alors, Jaran. Tu vas me téléporter lui et tu vas me ramener ici. Voilà.
Et tu vas aussi me le soigner parce que là, du coup, il est un petit peu dans la sauce. Ah, j'aurais dû l'envoyer là directement. Ah, quel con. Aïe, 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 j'étais bête. Qui bête. Ouais, c'est chiant en fait. Oh, ah non, c'est pas ça. Je vais se boire un petit coup. I should slow down.
enough of that now. The body stirs. The subtle slouch in its decayed shoulders suggest intense longing. A large, soggy chunk of flesh falls to the ship's floor with a melancholic thud. So this is what's to become of me, it seems to moan. A body with no head, a ship with no captain. Dejectedly, it proffers a hand. In its palm is a well-weathered notebook, only slightly sticky with rotted corpse ooze. You accept it, taking it by its spine with two ginger fingers. Your efforts at not gagging are most valiant. Nick's body grows cold, then hot. Could it be, after all this time? Reunited? Could it be real? Could it be true? Tremors overtake its hands, its knees, and then... Toes? Legs? Arms? Fingers? A bit more rotten than when I last saw them, but who am I to look a gift self in the mouth? Oh, the feeling of air in my minimally perforated lungs, of... well, not quite blood, but lovely ooze pumping through my only moderately decayed veins. What a joy it is, my friend! What an absolute joy! Now for my last unfinished business. Pontius Pirate, the animal who consigned me to the peanut-crunching masses. I won't rest until his skull cracks beneath my foot. Despicable fiend. No wonder his spirit lingers in this cursed cave. Not even the darkest hell would open its gates to such a perversion of the human soul. He would tolerate no dissent upon his death barge. I dared to raise my voice but once, and his sword was through my throat before I'd even finished my plea. He lingers here, that much is for certain. I remember this cavern well from my days on Pontius's crew. This was the heart of his operations, the launching pad from which he massacred countless innocents with blackest sauce. There's a hidden passageway from his office at the cave's heart. It leads to the dock where the Black Widow, his ship, is anchored. There he'll be. There we must find him. Ah, dear Source Hunter. I've had years spent spouting poetry to numbskulls to formulate the perfect plan for destroying that madman. Our approach is twofold. First, using magic, you must charge the war machine that he keeps still perched upon the deck of his ship. Properly empowered, this machine is more dangerous than any in Rivalon. I'm certain we could use it to turn the tide of battle against the mad captain. Second, I both grant a privilege and ask a kindness, Source Hunter. I hereby give you my eternal loyalty. Summon me at your will whenever it pleases you. All the better if you summon me against my old enemy. I swear to you, once I get my fingers around his throat, I'll never let go. Not quite. But he had in his possession a great stone capable of terrible feats of magic. With it, he fashioned a machine of war so terrible that none, neither king nor buccaneer, could best him.
It was source magic within that stone, and the captain was drunk with the power of it. Drove him madder than a loon it did, and it seems he guards it within this cursed cave still. From this moment forward, Source Hunter, I am your most grateful friend. Summon me where and when you will, and I will rush to defend you. Thank you.
What sort of arrows do you want? Freezing? Silver? Poison? Get to the point. Fresh haddock. Perfect for a fryer. Quiet day on the market, it seems. Delicious dogfish! Yours for a scrap of gold each! Not in the mood for cheese! That excuse is more holes than a slice of this pie and Norman bed. Quiet day on the market, it seems. Quiet day on the market, it seems. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Get it while it's fresh. This batch is only hours from the sea. Quiet day on the market, it seems. Not in the mood for cheese. That excuse is more holes than a slice of this fine Corbin bed. Options to be muscle you. Scrolls to entussle you. Join the Spud Club if you've got an eye for farm potatoes. Not in the mood for cheese. That excuse is more holes than a slice of this fine Corbin bed. Quiet day on the market, it seems. Not in the mood for cheese. That excuse is more holes than a slice of this fine Corbin bed. Red and orange, yellow and green, the finest veggies size seals ever seen. Quiet day on the market, it seems. Quiet day on the market, it seems. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Fresh haddock, perfect for a fryer. Don't.
quiet day on the market, it seems. Day on the market, it seems. Quiet day on the market, it seems. Quiet day on the market, it seems. Quiet day on the market, it seems. No better solution to the zombie problem than a set of silver arrows. Get it while it's fresh. This batch is only hours from the sea. Quiet day on the market, it seems. Day on the market, it seems. Quiet day on the market, it seems. Quiet day on the market, it seems. Heavenly herring! Delicious dogfish! Yours for a scrap of gold each! Portions to be muscle you! Scrolls to entussle you!
shiver in their moldy boots. Not in the mood for cheese. That excuse has more holes than a slice of this fine Corbin there. Tall of snake, ring of worm, brew of spice of stir and churn. I'm straight, I'm true, Harris by the cousins. Quiet day on the market, it seems. Not in the mood for cheese. That excuse has more holes than a slice of this fine almond bread. Lonesome? Spiritless? Perhaps wrestling an earth elemental will inject some vim into your routine. Quiet day on the market, it seems. Heavenly herring! Delicious dogfish! Yours for a scrap of gold each! Not in the mood for cheese! That excuse is more holes than a slice of this fine golden bed. This batch is only hours from the sea. Not in the mood for cheese. That excuse is more holes than a slice of this fine golden bed. Quiet day on the market, it seems. Join the Spud Club if you've got an eye for farm potatoes. Fresh haddock, perfect for a fryer. I'm straight. I'm true. Arrows by the dozens. Heavenly herring. Delicious dogfish. Yours for a scrap of gold each. I'm straight. I'm true. Arrows by the dozens. Get it while it's fresh. This batch is only hours from the sea. I'm straight. I'm true. Harris by the dozens. Potions to bemuscle you. Scrolls to entwistle you. Quiet day on the market, it seems. Quiet day on the market, it seems. Quiet day on the market, it seems. Well, what sort of arrows do you want? Freezing? Silver? Poison? Get to the point. Not the mood for cheese. That excuse is more holes than a slice of this fine golden bed. Fresh haddock, perfect for a fryer. Pay the big cheese on your broth with a whirl of the good stuff. Let us see if you can choose the finest greens. Heavenly herring, delicious dogfish, yours for a scrap of gold each. Quiet day on the market, it seems. Get it while it's fresh. This batch is only hours from the sea. Pay the big cheese on your broth with a whirl of the good stuff. Delicious dogfish, yours for a
quiet day on the market, it seems. Join the Spud Club if you've got an eye for farm potatoes. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Join the Spud Club if you've got an eye for farm potatoes. Quiet day on the market, it seems. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Tall snake, ring of worm, bow and bison, stir and swarm. Herring, delicious dogfish, yours for a scrap of gold each. Pay the big cheese on your broth with a whirl of the good stuff. Get it while it's fresh. This batch is only hours from the sea. Delicious dogfish, yours for a scrap of gold each. Quiet day on the market, it seems. Red and orange, yellow and green, the finest veggies sized seals ever seen. Quiet day on the market, it seems. Ah, gracious patron, I see your tarred eyes looking a bit teary. I've just the potion for that. Or would you prefer a toasty fire spell to dry those vapors? And orange, yellow and green, the finest veggies sized seals ever seen. And orange, yellow and green, the finest veggies sized seals ever seen. Let's see, halibut, sheep's cheese, tomatoes. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Where's Hammond? Coming for fire. Not in the mood for cheese. That excuse has more holes than a slice of this fine Gorman bed.
tomatoes. Red and orange, yellow and green, the finest veggies Cy Seal's ever seen. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. To see if you could choose the finest greens. Let's see. Carrot, cheese, troubled mind.
trap.
What just happened? Bitter poison!
into the fray once more. Back on my feet again. I guess someone else got here first.
right there. Thank you.
Into the fray once more. There must be some way to open this. Into the fray once more. Thank you.
unending darkness. Tempests of winter's core to my aid. Hobbling assault! I needed that.
Open your eyes wider. To welcome you. The mend. Sweet relief. A stitch in time, eh, my friends? I've spotted a trap.
any effect. Ah, so that's what that did. I see a trap nearby. So that's what that did. What the devil happened to my weapon? Look out! I see a trap nearby. Hold! Our enemies have laid a trap. Ah, so that's what that did. To the air.
into the fray once more. I've spotted a trap. Look out! I see a trap here. Back on my feet again. So that's what that did. Careful, I've spotted a trap. Look out! I see a trap nearby. Drenched.
attention to the beast first. You'll only encourage.